Qu'est-ce que tu fais? J'accroche des posters. Tu as pensé à les accrocher avec de la pâte à colle? Ils tiennent pas aussi bien, surtout celui-là. Qui est-ce? Raven, c'est la championne nord-américaine de catch féminin. Oh, oh. Elle est toute huilée et prête à catcher. Fred. Incroyable. Ouais. Ce sont des vrais saints, tu sais. Je sais, j'ai été marié avec elle. Ah ouais. Vénard. J'ai une idée, je vais aller dans ma chambre. Je crois qu'ils s'aiment bien. Oui, effectivement, on dirait. Non, je veux dire qu'ils s'aiment bien pour de vrai. Oh non, Jake, ton oncle Charlie ne tombe amoureux que d'un genre bien précis de femme. Maman, elle dit des poufs. Oui, enfin... oui, c'est le terme exact. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave. On dirait que tante Mira est une pouf. Pourquoi je pourrais pas dormir dans mon lit, tante Mira n'est pas dans ma chambre. Elle doit y être maintenant. Elle était peut-être sortie chercher quelque chose dans la cuisine. Ça vient pas de la cuisine. Bonsoir à tous. Bon, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Tu m'as dit que j'avais fière allure. Ben oui, mais il faudrait pas que tu te salisses avant le mariage. Fais-moi un peu confiance. Reconnais que ton fils rehausse un petit peu le niveau de ce dîner. Je vous remercie, mon brave. Catastrophe. Qu'est-ce que c'est? De la cire de bougie? Comment t'as pu te mettre de la cire sur les fesses? J'en sais rien. Menteur. Je me suis amusée à enflammer mes pets. Je suis prêt. Mira est prête. Il est prêt, lui? Oui, il a l'air prêt. Bah, il lui manque son pantalon. Disons qu'il est à moitié prêt. Allez-y, je l'accompagnerai. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Chocolat. Dis-moi, quand est-ce que t'as su pour ton père? Que j'ai su quoi? Qu'il était gay. Mon père n'est pas gay. T'es sûr? Le mien, il l'est. Ah ouais? Ouais. C'est toi qui sens la fraise? J'ai mis du gloss à la fraise. Cool, est-ce que ça en a aussi le goût? Tu veux goûter? Pourquoi pas? N'avait pas fait que des courses toute la journée? Si, si, des courses. Il est où? Dans sa chambre? Oui, dans sa chambre. Bon, merci d'avoir veillé sur lui. Oh, c'est normal. Je sens qu'il va flairer un truc. Jake, c'est papa, je suis de retour. Oncle Charlie m'a emmené avec lui aux courses. C'est vrai, moi aussi j'ai rêvé de toi. Raconte-moi ton rêve. J'étais restée bloquée dans un tunnel. Dans un train, c'est nul à chier. C'est ça que ça veut dire. Oh, Jack, t'es déjà debout? Oui, alors? Jack, je suis allé faire une promenade sur la plage. J'ai pas découché. Oh, un peu d'intimité, s'il te plaît. Je voulais pas que tu te fasses des idées, c'est tout. Je comprends rien, si j'étais dans le train, comment est-ce que je pouvais être le train? Oui, bah tant qu'il est pas le tunnel. Une bière, s'il vous plaît. Chaudard, ça midi pile. Où ça? Bah,
là-bas. Non, là-bas, c'est 9h. Non, c'est midi. Je dirais même midi 5. Midi 5 pile. Alan, tu lui expliques ou je le fais? Tu peux toujours essayer. Le match de volley a commencé, les lolos rebondissent bien. C'est pas le moment. Mais tu m'avais dit de t'appeler quand elle commencera à jouer. La ferme. Oh, salut. Salut, tu dois être le petit Jake. Oui, qui êtes-vous? Linda, je suis une amie de Charlie. C'est vous la juge? Mm-hmm. Vous jouez au volleyball? Non. Et toi? Non, c'est pour voir les lolos des filles rebondir. Oh les cœurs, allez, attends. Qu'est-ce que tu fais? Rien. On ne touche pas au gâteau avant que les mariés ne l'aient coupé. Mais je suis affamée. Prends un peu de fromage. Les mariés ont coupé le fromage? T'as compris? D'accord. X égale moins 4. Génial. C'est ça. Tu vois, Jack, tu peux y arriver. Au contrôle, il faudra démontrer ton raisonnement. Montre-moi ton cahier. Et t'as rien écrit? Bah pourquoi t'as rien écrit? J'ai pas besoin d'écrire, je vois toutes les solutions dans ma tête. C'est vrai? Oui, c'est bizarre. Pour moi, tout me semble logique. C'est comme si les équations se résolvaient devant mes yeux. Oh mon Dieu, il y a des enfants surdoués. Mais mon propre fils. Non, je me fiche de toi. Les réponses sont à la fin du cahier. Bonne nuit. T'aurais dû voir ta tête quand t'as cru que j'étais intelligent. Ça veut dire qu'il faut que je dorme ?